Et surtout, n'ouvre pas les yeux, sinon tu vas tout gâcher. Et chérie, j'ai hâte de voir ça. Vous jouez. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, je peux ouvrir les yeux maintenant? Oui. Mais chérie, pourquoi tu... Non, reste là-bas. Quitte là! Tu finis de faire d'adouer, tu viens te mettre derrière mon mousseau. Hé, hey, ma copine. Non, le monsieur là m'a humilié. Il m'a eu des... devant tout le bâtiment comme ça. Okay. En tout cas... pour ta voix, il t'a eu. T'as bien sucé comme ça chez l'hôpital, j'étais. On peut faire ça. En tout cas, toi-même, c'est ton propre problème. Parce que nous tous, on était ici. On a vu le monsieur, là, sa femme enceinte, il l'a jeté. Mais tu t'es levé, clic, clac, clic, tu n'as pas dû te coucher en bas de lui. Tu t'attendais à quoi? On vous dit de vous marier, là, c'est pour tout ça, là. Attends. Toi-même, tu te prends pour qui ici, là-même? 1, 2, 3, c'est toi qui parles de foyer, mariage. Toi aussi, tu peux parler de ça. Mais tu penses que tu as trop dans le foyer, quoi. Eric vient. Tu donnes, il met plomb. Ton cousin, soi-disant, vient. Il met dedans. Le voisin aussi va passer, il va taper sur tes fesses. Il va donner 20 000. Toi, tu peux parler de foyer à quelqu'un. Ça n'a pas de problème. C'est ça qu'un foyer, là. Mmh. Jusqu'à preuve du contraire, là. On ne m'a pas encore humilié. Comment on t'a humilié? Donc, tu sais qu'est-ce que tu as fait? Tu as sorti de chez moi parce qu'Eric va arriver. Il sort pas. Tu vas sortir. Sors! Ah, son modèle.